je voudrais dire à mes amis musulmans, cette majorité du musulman qui, à l'intérieur de l'islam, lutte contre l'islam radical et lutte contre l'islam fascisant, qui a un instrument extraordinaire, dont je pense qu'ils gagneront la partie le jour où ils en auront l'équivalent et qui s'appelle le Talmud. Le Talmud, c'est une machine anti-fanatisme. Vous ne pouvez pas être un fondamentaliste digne de ce nom si vous disposez d'un Talmud et si vous le connaissez, si vous le lisez, parce qu'alors se dissout instantanément l'idée même d'une vérité intouchable et tellement sacrée qu'en son nom, les pires forfaits peuvent être accomplis. On ne verrait plus des masses de fanatiques défiler devant telles ambassades, brûler tel drapeau ou commettre tel meurtre au motif que l'on aurait insulté la figure sacro-sainte du prophète. Non, il n'y a pas de sacro-saint. La pensée juive, elle a aussi pour effet de casser en son milieu l'idée même du sacro-saint. C'est le sacré ou c'est le saint? Si vous êtes du côté du sacré, vous êtes du côté du fondamentalisme. Si vous êtes du côté de la sainteté, vous êtes du côté de la loi.